J'ai cru comprendre sur Twitter et Instagram ce matin en me levant que depuis hier il y avait un rassemblement de voitures de luxe au centre-ville. Je refuse de manquer ça. Le seul problème étant qu'il est 10h20. Donc si en fait il n'y a rien, j'aurais fait un aller-retour en ville pour rien parce qu'il y aura... Pour ainsi dire, aucun magasin d'ouvert, il n'y aura rien à faire. Donc on croise les doigts. Il n'y a absolument rien. Donc je vais quand même faire un tour dans les environs, voir s'il n'en reste pas une ou deux, parce que là, c'est la déception totale. Et bah rien de chez rien. Je suis dégoûté. Il me semble que j'avais vu 11h, il est 11h moins le quart, on va attendre encore un peu. Et ben voilà quoi, encore loupé. Je refuse d'être sorti pour rien, donc on va quand même aller faire un petit tour en ville, quoi. Je sais pas, des fois que il y a des nouvelles choses depuis hier. Comme vous commencez à en avoir l'habitude, cette sortie était un gros... Ah, ni plus ni moins, pas de voiture. J'ai voulu aller faire un tour en ville, du coup, pour rentabiliser cette sortie. J'avais bien pris la caméra, mais sans ça, ça marche moins bien. En espérant que la suite de la journée se présente un peu mieux, mais ça va être difficile de faire pire. J'essaye d'avoir l'administration de la licence pro. Souhaitez-moi bonne chance. Y'a personne. Étonnant. On réessayera dans 5 minutes. Deuxième essai. Toujours rien. J'aime l'administration. J'allais effectivement avoir beaucoup de mal à joindre l'administration, surtout pour une scolarité, puisque c'est les vacances. Voilà, la journée continue. Du coup, avant de sortir ce soir, je vais à la soirée de lancement de la marque des pavés bordelais. Elle lance sa marque de fringues un petit peu pour les amoureux du sud-ouest. Ça a l'air très très sympa. Donc avant d'aller là-bas ce soir, du coup, petite console. Allez, direction la soirée des pavés bordelais pour la présentation de sa marque. Je pense que ça va être sympa. Oh, 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 oh
Voilà, j'ai raconté un peu ce qui s'était passé pour moi depuis 4 ans à Bordeaux. Et la phrase au pays des chocolatines, voilà, a sonné, voilà, elle est restée en fait en moi. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire un t-shirt et un tulle, parce qu'ici, quand même, on est vraiment fiers d'être. Team Sud-Ouest, Team Chocolatine. Il y a beaucoup, beaucoup de filles. Mais je ne suis pas tout seul. Flavie a eu la gentillesse de m'inviter. Regardez la taille des bols, c'est juste n'importe quoi. Il y a à manger pour 10.